Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors avant de commencer le tuto, j'aimerais savoir surtout dans les commentaires si cela vous intéresse que je laisse apparaître toujours ici, vous voyez, les fonctions que j'utilise avec ma souris. Si vous voulez voir ça apparaître, chaque utilisation que j'emploie sur ma souris, donc c'est répertorié. Si je fais un clic gauche, vous le voyez, sur ma souris, un clic droit, si je tourne, vous voyez, tout répertorié en dessous. Laissez-moi dans les commentaires si vous désirez que je laisse ça apparaître chaque fois que je fais un tuto en bas de la fenêtre. Donc, ce serait gentil à vous. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mais je vais vous montrer un message que j'ai reçu sur mon tuto, qui était le dernier ici, vous voyez. Donc, je vais cliquer, je vais aller voir dans les commentaires. Donc, je vais d'abord couper le son et je vais descendre dans mon dernier commentaire. Voilà ici de Didier, qui était très intéressant. Voyez ici, bonjour Pierre, veuillez m'excuser pour ma réponse tardive, je vous mets le lien en téléchargement direct concernant GIMP 2.10.18 en version portable et celui du plugin Liquid Rescreal. En effet, il y a eu un moment, j'avais une fidèle auditrice, Nicole, qui me suit depuis le début, qui m'avait envoyé un lien pour justement que Liquid Rescreal soit opérationnel sur le GIMP 2.10.18. J'avais essayé, ça ne fonctionnait pas. J'ai dit, mais c'est pas possible. Puis, il y a eu le confinement, enfin, il y a eu d'autres tutos, et c'est complètement sorti de ma tête, ce sujet de Liquid Rescreal. Je m'en excuse, d'ailleurs, par rapport à Nicole. Et voilà, ici, maintenant, quand Didier m'en reparle, j'ai dit, mais en fait, c'est vrai. Donc, j'ai été voir un peu tous les liens qu'il m'avait donnés. Donc, je vais les ouvrir. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de fenêtres qui vont s'ouvrir. Et d'abord, allons un peu explorer tous ces liens. Mais vous voyez qu'ici, et enfin pour finir, le fichier texte. Donc allez voir, enfin allons voir d'abord ensemble ce fichier texte. Voilà, et je vais l'ouvrir. Voilà. Voilà, bonjour Pierre. Je me permets de vous donner les directives concernant l'installation du plugin Liquid Rescreal, qui se trouve dans le dossier GIMP Liquid Plugin 64 Between. Vous avez un sous-dossier nommé 64 bits, ainsi qu'un autre sous-dossier scriptfour. Mettre ce qu'il y a dans le dossier 64 bits et le coller dans GIMP, portable 64 bits, préférence plugin. Ensuite récupérer, enfin bref, vous voyez, vous allez me dire, il y a des gens qui vont dire, oh là là, mon Pierre. Mais on va expliquer ça bien à son aise et essayer de voir ce que cela peut donner. Et on voit ici qu'en dernier paramètre, enfin, quand vous ouvrez le dossier GIMP portable, cliquez sur le lien gimp.exe pour ouvrir GIMP et non sur gimpfr.exe. Alors, j'ai été ouvrir. Je vais d'abord vous montrer le GIMP que j'ai ouvert, qui est celui-ci. Vous voyez, quand vous allez ouvrir, vous allez tomber sur cette interface-ci. Donc, je vais vous montrer après comment remettre tout ça en couleur et ainsi de suite. Vous voyez que si je mets dans le calque, je n'ai pas de Liquid Rescreal, je n'ai rien de tout ça. Mais justement, en parlant ici de ce qu'il donne comme fonction, voilà, il faut aller mettre dans le dossier plugin, ainsi de suite, mais comment aller les chercher et surtout, où aller les déposer. Alors pour cela, voilà, d'abord les premières directives, en étant sur le GIMP, je vais vous montrer après aussi comment l'ouvrir, le télécharger, ainsi de suite. Mais ici, la première fonction, c'est aller dans édition, voilà, dans préférences. Moi, maintenant, je pense que le plus utile, c'est que je commence comme vous, vous allez commencer. Je pense que c'est le plus simple. Alors, il me dit, voilà, je vais vous donner ici les dossiers GIMP Begin, ainsi de suite. Allons voir cela. Si je clique ici sur le premier lien, il va me donner le téléchargement direct pour télécharger le GIMP 2.10.18 version portable. Vous voyez le premier lien. Dans le dernier lien ici, qui m'y met, vous voyez, Liquid Rescreal, si je clique dessus, j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà. Faire OK. Et vous voyez ici, GIMP 2.10.18 portable, 32 et 64 bits. Et vous voyez ici que Windows 7 n'est pas plus supporté avec cette version. Il est bien possible qu'à l'époque où Nicole m'avait donné cette version, qui est peut-être semblable à celle-ci,
ne fonctionnait pas chez moi. Pourquoi ? Parce que justement, j'avais le Windows 7. Donc, à un certain moment, comme vous avez su, j'en avais parlé dans mes anciens tutos, j'ai dû faire l'acquisition d'un nouveau PC. Parce que mon ancien PC, naturellement, il a rendu l'âme. Et automatiquement que j'ai reçu mon nouveau PC, ben, je me suis retrouvé avec le Windows 10. Donc, tout à fait différent. Alors, vous avez la version ici que vous pouvez, bien sûr, télécharger, voyez. Portable. Je peux vous inviter, je vais enlever cette page, revenir chez lui, et cliquer directement sur le lien qui se trouve ici. Je vous mettrai, bien sûr, tous les liens pour accéder. Vous voyez, vous cliquez dessus, vous allez faire un téléchargement. Ce téléchargement va se retrouver en WinRAR. Donc, je vais vous le montrer. En principe, ça vient toujours dans vos fichiers téléchargement. Ils viennent ici en général. Moi, ce que j'ai fait au moment où il est apparu ici, ben, j'ai cliqué dessus, comme celui-ci par exemple, et puis je l'ai déplacé pour justement qu'il n'utilise pas de la mémoire sur mon disque C. Et comme j'ai assez de place sur mon disque D, vous voyez ici, j'ai presque un tera. Donc. Alors, j'ai été le télécharger, bien sûr, dans ma version D. Et j'ai été le mettre dans le dossier programme. Je vais vous le montrer. Et vous voyez, j'ai le GIMP 2.10.18 portable 3264 bits. Ça, c'est le premier dossier qu'il m'a envoyé. Alors, il m'a donné un autre dossier aussi, qui est, vous voyez, juste en dessous, là, HTTP, vous voyez, je clique dessus. Vous avez directement un téléchargement qui se fait. Vous voyez, vous allez avoir la même chose avec le premier. Hein. Donc, ici, afficher le dossier. Vous voyez, ça me met dans mon téléchargement ici. Vous voyez, ce que j'ai fait de nouveau avec, comme le précédent, je l'ai déplacé vers. Donc, celui-ci, je vais l'enlever, je ne l'ai pas besoin, puisque je l'ai déjà fait. Je fais supprimer. Et je vais aller rechercher dans mon dossier D. C'est le programme. Je vais aller rechercher. Je pense que j'ai dépassé. Et voilà. Vous voyez le filtre divers test GIMP 2.10.64. Voilà. Au moment où vous faites un clic sur le premier, vous voyez, celui-là qui représente le GIMP 2.10.18 version portable, comme vous avez de la place, puisque vous avez déplacé votre dossier, vous pouvez faire extraire ici, soit pour l'un, et ensuite pour l'autre. Donc, ils se sont... Oups, pardon. Voilà, dossier programme. Une fois que vous avez ça, donc, il va créer deux dossiers. Le dossier portable et le fichier divers, le filtre divers. Donc, on me demande ici. Voilà. Il se trouve dans le dossier. Alors, ils disent bien de ouvrir le dossier GIMP portable, cliquez sur le lien gimp.exe et non le gimpfr.exe. Donc allons voir cela. Si je m'y retrouve moi à la fin, parce que je ne m'y retrouve plus. Je pense que c'est celui-ci. Oui, voilà. Donc on va chercher la version portable. On fait un double clic. Voilà, c'est une fenêtre qui s'ouvre. Et vous voyez que vous avez le GIMP. Vous avez le GIMP aussi. Version FR. Il vous a bien dit de cliquer sur la version GIMP. Vous allez faire un double clic, donc la fenêtre va s'ouvrir. Alors, que va-t-il se passer? Vous allez tomber sur ce que je vous ai montré auparavant, c'est celui-ci. Alors, vous voyez, c'est assez long, mais c'est pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous par rapport à la note qui a été envoyée. Voilà, donc il suffit de bien lire la note et vous allez vous... Vous y retrouvez aussi, hein. Enfin, c'est bien de le voir. Alors, comme dans la note, il explique. Voilà. Dans le dossier plugin 64. Vous avez un sous-dossier nommé 64 bits. Tout ça, nous allons voir et surtout où mettre ces dossiers qu'il affiche ici. Alors, vous voyez qu'ils disent ainsi qu'un sous-dossier. On va aller voir.
Alors, mettre ce qu'il y a dans le dossier, soit vous voyez ici, mettre ce qu'il y a dans le dossier 64 bits et le coller dans GIMP, vous voyez ici, 2.18, portable, portable 64 bits. Win, préférence, plugin. Ou aller chercher d'abord celui-ci, qui est le GIMP 2.10.18, portable. Allons dans GIMP. Que nous avons ouvert. Nous allons dans édition, préférences. Voilà. Allons dans les dossiers et allons dans les greffons. Alors vous voyez ici, on va aller revoir sa note et le coller dans GIMP 2.10 portable, GIMP 2.10 portable, 32, 64 bits. Win préférence plugin. Win préférence plugin, vous voyez, qui est ici le premier. Donc celui-ci, je clique, vous voyez, c'est bien cela qui m'a donné celui-ci. Je vais ouvrir la fenêtre où se trouve ce dossier. Voilà. Ça, c'est une chose. Et qu'il y a beaucoup de fenêtres qui vont s'ouvrir. Donc on va bien, vous voyez, plugin. Donc on va ouvrir ici, double-clic, plugin. Voilà, cela je peux le mettre en bas. Donc si je viens ici, je vois dans ma fenêtre, vous voyez que j'ai plugin, j'ai bien ma fenêtre avec, que je viens d'ouvrir, plugin. Alors, allons voir maintenant l'autre. Donc, qui se trouve dans le dossier MIM 60. Vous avez un sous-dossier nommé 64 bits. Alors, allons ouvrir ce fichier, ce dossier nommé 64 bits, ainsi qu'un sous-dossier script fou. Enfin, mettre ce qu'il y a dans le dossier 64 bits et le coller dans le GIMP que venons d'ouvrir. Alors, allons ouvrir ce dossier nommé 64 bits. Alors, voilà, si je viens ici... dossier programme, non, c'est pas celui-là, à la fin, mais je ne m'y retrouve plus non plus. Hein. Voilà, je viens ici, je reviens juste un peu en arrière, voilà, et je vais aller chercher ici le filtre divers. Je fais un double clic, et je voyais qu'ici, comme il le dit, je vais déplacer ceci, et descendre, nommé 60 bits. Vous voyez ici qui se trouve dans le dossier plugin GIMP Liquid plugin 64 bits win. Donc où se trouve-t-il? Il se trouve où es-tu mon grand? Voilà, ici. Vous voyez? Donc je fais un double clic et j'ai bien mon dossier 64 bits. Donc il me dit nommé ainsi qu'un autre. Oups, pardon, excusez-moi. Ainsi qu'un autre sous-dossier script fou. Vous voyez, il explique bien ici. Hein, vous voyez, il dit bien qu'il y a ainsi qu'un autre sous-dossier script fou. Mettre ce qu'il y a dans le dossier 64 bits. Donc on va ouvrir le dossier 64 bits. Et le coller dans le GIMP 2.10 portable 64 bits que nous avons été chercher. Donc on va faire ceci. On va le déplacer un peu sur la gauche. Et on va aller chercher notre... plugin. Voilà. Vous voyez? Donc on va aller chercher ce qu'il m'a demandé. Et le coller, bien sûr, enfin, le déplacer dans ce nouveau répertoire. On prend celui-ci. Oups, pardon. Celui-ci. Je tiens la touche CTRL. Je clique, je prends les deux. Et je les déplace. Voilà. Ça, c'est le dossier 64 bits. Je vais revenir en arrière, ici, voilà. Vous voyez. Je regarde ce que j'ai là-dedans. Je déplace vers le bas. Et celui-là, le plugin, je me demande si j'en ai encore besoin. Je vais aller voir. Le plugin. C'est le dossier programme. Non, ça c'est celui-là. OK. Alors,
Une fois que ça a été fait, dans la version préférence, ensuite récupérer ce qu'il y a dans le dossier script fou. Donc allons voir ce dossier script fou. Alors, c'était dans celui-là. Non, c'était pas dans celui-là. Mais à la fin, on s'y perd. Script fou, voilà. Vous allez chercher aussi comme moi, mais enfin, c'est pour ça, gardez bien tous vos dossiers ici en dessous. Donc, allons ouvrir le dossier script fou. Voilà. Et que me dit-il de faire? Donc, allez, descendre celle-là. Alors, ensuite, récupérer ce qu'il y a dans le dossier script fou et l'installer dans le dossier GIMP 2.10.18 portable. Donc, nous n'avons pas encore le dossier ouvert par rapport au script, ce que nous avons été faire dans la fenêtre ici, voilà. Donc allons chercher ce dossier, puisqu'ici nous sommes ici que dans les plugins, vous voyez. Donc allons chercher à propos des scripts, voilà, vous voyez, je clique ici sur script. Regardez bien tuto à votre aise, hein. Vous voyez que c'est assez compliqué, parce que c'est pas facile quand on explique en même temps, essayez de retrouver. Donc ici il me dit d'aller mettre ensuite récupérer dans le dossier script fou et l'installer dans notre dossier GIMP 2.10.18 portable préférence script. Donc voilà, c'est le premier. Vous voyez ici, préférence script. Je clique dessus. Je vais ouvrir la page. Voilà, celle-ci. Je n'ai plus besoin. Et je vais chercher ouvrir le dossier script. Voilà. Je prends ce dossier ici et je le glisse dans l'autre fenêtre. Ceci étant fait, je peux fermer cette fenêtre-ci. Je peux fermer cette fenêtre-ci. Je n'en ai plus besoin. Je peux ici tout fermer puisque j'ai fait tout ce qui avait été élaboré. Donc, je peux fermer cette fenêtre-ci. Celle-ci, je peux fermer. Voilà, ici mon dossier texte, je peux le supprimer. Voilà. Ça, on peut laisser, voilà, c'est un exemple. Allons voir maintenant ici, notre GIMP. Je dois le fermer, puisque je n'ai toujours rien à l'intérieur. Donc, je vais fermer ma fenêtre GIMP. Voilà, je vais aller chercher maintenant. Vous voyez qu'il est ici. Donc, je clique, je l'ouvre. Où il était bien sûr dans votre fenêtre que vous avez déplacée, qui était la version .exe, tout simplement. Quand je l'ai ouvert, voilà, j'ai simplement créé un raccourci pour le mettre sur le bureau. Là, il ouvre. La version portable ne joue pas sur la version que vous avez GIMP 2.10.18. Donc, si je vais dans le calque maintenant, vous voyez, j'ai Liquid RESQL. Voilà, mais alors maintenant ici, aussi pour se retrouver vis-à-vis de l'interface, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, tiens Pierre, voilà, comment fais-tu pour avoir tous tes outils, comment le mettre en couleur, comment déplacer tel élément, tel pictogramme, enfin pictogramme non, onglet, et le mettre vers le bas. Vous voyez, parce qu'ici, dans ma version GIMP 2.10.18, mais pas la version portable, j'ai mis ici mes icônes, enfin mes onglets qui se trouvent vers le haut, tout ce qui par rapport au calque, l'onglet chemin et ainsi de suite. Donc je vais vous montrer. Donc ouvrons d'abord un peu cette fenêtre pour voir un peu plus grand. Alors, pour justement mettre ce qui est en bas en haut et ce qui est en haut en bas, ben, il suffit simplement de glisser les éléments. Ne les glissez pas tous en une fois. Prenez par exemple un élément, je vais prendre les brosses par exemple, voilà, je glisse et je vais le mettre ici à côté, vous voyez, de mon onglet, ainsi de suite. Celui-là, je vais le monter, je vais le mettre en haut, par exemple. Donc, vous voyez que j'ai déjà les calques. Ici, je vais prendre l'outil, je vais descendre les polices, par exemple, maintenant. Voilà, je vais le mettre en dessous. Oh, où est-ce qu'il est parti? Tiens, bizarre. Celui-là, je n'ai pas besoin. Fermer l'onglet. De toute façon, c'est pas grave, hein.
Les canaux, je peux le prendre et le monter en haut. Il ne veut pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème là. J'allais voir. Tiens, tiens. Un petit souci. Je vais le fermer. Je vais le réouvrir. Parce que là, il y a eu un petit souci là, je pense. Ça a bugué. C'est possible avec l'enregistrement. C'est un double clic. Désolé. Mais enfin, on prend un peu son temps. Pardon. Alors où j'en étais? Où? D'accord, j'ai les polices, les brosses. Là j'ai mes calques. Je vais prendre le chemin. Voilà. Alors je vais enlever ici. Par exemple, les motifs, j'ai pas besoin. Fermer l'onglet. Ouais, je vais prendre mon calque ici, je vais le déplacer. Voilà, j'ai mes calques, mes canaux et mes chemins. Et en bas, ben, j'ai mes brosses, mes polices, et je peux aller chercher d'autres onglets. Vous voyez. Ajouter un onglet, ainsi de suite. Vous pouvez aller ajouter les onglets que vous voulez. Donc automatiquement, j'ai mes calques qui sont en haut et mon autre fenêtre par rapport aux onglets qui se trouve en dessous, comme quand j'avais la version 2.10.18. Donc ouvrons un peu maintenant ici, cette fenêtre-ci, si elle veut. Voilà. Et allons dans édition, préférences. Voilà. Profitez à un certain moment, si vous êtes dans vos préférences, d'aller dans importation, exportation d'images, et cliquez bien sûr. Ajouter un canal alpha aux images importées, c'est une option qui est très intéressante. Donc automatiquement, allons dans l'interface, les thèmes. Là, vous pouvez choisir votre thème. Vous voyez, je l'ai laissé en dark. Vous pouvez mettre en gris, mais enfin, voilà. Faites des tests ici, moi je laisse en dark. Alors, allons dans les thèmes d'icônes. Vous avez plusieurs possibilités. Moi, je prends Legacy. Oui, ça se met en couleur. Oui. Ici, vous avez la possibilité d'augmenter la taille des icônes. Mais si vous voyez, c'est rien qui se passe. Donc, cliquez ici, par exemple. Allez, voilà. Taille d'icône personnalisée. Et vous le mettez en grand, par exemple. Encore une fois. Oui. J'augmente la taille automatiquement ici. Aussi. Oui. C'est en couleur. C'est bien. Là, vous pouvez aller dans la boîte à outils. Voilà. Vous allez comprendre ici que vous allez apercevoir tous les outils en décochant ici « Utiliser des groupes d'outils ». Voilà. Décochez. Vous avez tous vos outils qui apparaissent. Vous êtes satisfait. Vous pouvez valider. Vous pouvez réduire un peu votre fenêtre ici. Pardon. Allez. Décidément. Voilà, comme ça vous avez votre fenêtre plus ou moins semblable à la GIMP 2.10.18. Et vous avez récupéré aussi, bien sûr, dans les filtres, vous avez GMIC, vous voyez, qui est ici. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Il est vrai qu'il n'est pas facile un peu à manipuler pour envoyer tel et tel fichier. Prenez bien votre temps. J'espère que j'étais assez clair. C'est pas évident quand on fait l'enregistrement que ce soit directement convenable. Donc, n'oubliez pas, laissez-moi un petit commentaire si vous avez un petit souci. Prenez bien votre temps, c'est très important. Pour ceux qui veulent garder Liquid Rescreal, vous pouvez utiliser ici la version GIMP 2.10.18, version portable. Sinon, vous avez toujours la possibilité de retourner dans votre ancienne version, qui est la version originale, qui est le GIMP 2.10.18, vous voyez, qui est ici. Et ici, vous avez la version portable. Un grand merci de votre écoute et je vous dis bien sûr à très bientôt pour un nouveau tuto consacré à GIMP. Merci de votre écoute.